Hello. Donc nous sommes lundi, nouvelle semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et mon copain partait au boulot et il a croisé, je suppose. Et du coup, il y a deux colis, c'est deux colis MyProtein, mais du coup je me demande pourquoi c'est en deux colis. Ne vous inquiétez pas quand je dis j'ai pas confondu ou j'ai mouru, c'est totalement de l'humour et je sais très bien que ça ne se dit pas comme ça, voilà. Donc, dans le premier, alors, il y a ça, alors en fait c'est des cranberries, enfin des comprimés, du cranberry etc. à l'intérieur, du coup il y a de la vitamine, c'est vitamine E je crois le principal. Enfin bref, je sais plus exactement. Vitamine. Ah oui, c'est ça, pour des suppléments de vitamine C et de vitamine E. Je sais pas encore si je vais les prendre maintenant, mais je me suis dit que des vitamines ça pouvait être pas plus mal. Ensuite, je vais ouvrir parce qu'il y a deux habits. Et sinon, il y a cette balle avec des pics en fait, et c'est pour la récupération. Par exemple, quand vous avez des courbatures, etc., vous passez ça en fait. Par exemple sur le dos, sur les jambes, tout ça. Il y a aussi des gros rouleaux qui existent. Et bah voilà, il y avait les gros rouleaux comme j'ai dit, mais celle-ci elle est du coup elle est plus petite, elle prend moins de place, donc à tester. Et donc ensuite les deux vêtements, alors il y avait ce short, donc c'est un short genre un peu moulant en fait, parce que j'avais déjà pris un short de MyProtein mais il était pas du tout moulant, il faisait un peu short de tennis. Et j'aime moins en fait parce que suivant l'exercice que tu fais, en gros on voit à l'intérieur de ton short, donc c'est pas top. Que celui-là c'est un petit short moulant comme ça, avec... Enfin, il a l'air de bien tenir à la taille, ça a l'air d'être bien cool. Donc voilà, je l'ai pris en XS, donc j'essaierai ça. Et l'autre, alors c'était un legging tout noir en fait. Ah, je me disais qu'il y avait un truc qui faisait du bruit. Et il était vraiment cher, je crois qu'il était 45-50 euros. Donc je trouvais ça assez cher et je me demandais en fait pourquoi il était aussi cher. Et vu qu'il y a moins de leggings en ce moment, j'ai l'impression sur MyProtein, genre il y en a plein qui sont plus du tout en stock. Et ça c'est de la nouvelle collection il me semble. Le truc trop pratique c'est qu'il y a une poche derrière et ça c'est beaucoup trop pratique. J'ai envie de voir qui se resserre à la taille mais sinon... Mais je crois qu'il a une technologie je sais pas quoi respirante. Genre là il y a une bande et tout et... Enfin ouais j'ai vu sur le site. Et ce qui est bien aussi je sais pas si vous allez voir en fait, il y a de l'espèce de plastique à l'intérieur et du coup ça fait que le truc ne tombe pas. Et je sais pas s'il en a... Non il en a pas parce que j'en ai un autre et il en a à l'intérieur aussi. Pour éviter que ça glisse, voilà. Et sinon il a des bandes comme ça réfléchissantes. Donc ça c'est pratique quand vous allez courir parce qu'il a les bandes réfléchissantes et qu'il a la petite poche. Voilà voilà. Pour ce legging il est une matière assez douce donc à essayer. Est-ce qu'il est transparent? À voir, mais pour l'instant comme ça il a pas trop l'air. Et ensuite, dans l'autre colis, j'ai pris de la farine de... Mince, je sais plus. Il me semble que c'est de la farine de sarrasin. Ouais, c'est ça. Farine de sarrasin sans arôme. Donc j'en avais acheté en magasin, mais je voulais voir du coup la différence avec celle-ci. Bon, c'est sans gluten, c'est vegan, végétarien approuvé, blablabla. Ensuite je me suis pris de la farine de noix de coco, donc je savais même pas que ça existait parce que tout simplement le matin en fait je mets de la farine dans mon bol cake et je mets de la farine d'avoine, du coup je me suis dit que j'avais bien envie de tester avec par exemple la farine de coco parce que comme ça ça donne un petit goût. Et dans celle-ci il y a 18 grammes de protéines pour 100 grammes, 30 grammes de fibres pour 100 grammes. Il y a beaucoup plus de choses dans celle-ci que dans l'autre et c'est de la farine de noix de coco biologique, voilà pareil que l'autre, vegan, tout ça sans gluten. Ensuite je vous avais dit que je commençais à être en rade de beurre de cacahuète. Du coup en fait ils ont sorti une gamme, il me semblait avoir pris le bio. Mais écoutez je sais pas, je vois pas le truc bio. Il me semblait que c'était bio mais là il y a juste écrit beurre de cacahuète croquant sans sucre ni sel ajouté. Contient des sucres naturels certifiés organiques. Donc voilà, franchement il est trop bon celui-là. Donc vous avez 30 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est ce que j'adore prendre au goûter et j'en ai repris. Et comme vous voyez c'est pas le même que l'autre. Celui-là il est organique et l'autre non, il avait le packaging tout blanc. Et ensuite je me suis pris un jogging. Donc je l'ai pris parce qu'il était hyper joli et je crois que c'est comme mon copain en fait a le même et ils ont une matière mais super douce je trouve. Donc voilà je l'ai pris en taille XS, par contre c'est une matière hyper épaisse donc je sais pas trop si je vais beaucoup le porter. Bon les jours où il fait un peu froid, j'en ai du mal à vous montrer, il y a des poches avec fermeture, ça c'est cool. Et en bas en fait il est resserré comme ça mais moi je suis
pas sûre qu'il maille très serré. Enfin, ça a l'air quand même assez large. Mais bon, après, enfin, je l'ai pas pris pour genre aller courir ou aller à la salle. C'est plutôt pour chez moi. Et il y a des fermetures en bas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre déjà? Oui, c'est vrai. En fait, ils ont fait donc une nouvelle collection. Et dans les brassières, il y avait celle-ci. Donc là, vous allez vous dire, elle est normale. Par contre, ce qui est bien, en fait, je sais pas si vous allez voir, elle a l'air de descendre assez bas en fait. Elle fait pas super courte. Et le truc qui était trop joli, c'est le dos. Je sais pas si vous allez, si ça m'envoie bien. Donc le dos est super joli avec toutes ces lanières croisées. Par contre, du coup, elles partent un peu cacahuètes. Il faut les remettre un peu droite. Mais je trouve ça super joli. Voilà. Donc voilà pour ma commande MyProtein. Je suis pas du tout en partenariat avec eux, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais j'ai un code promo de moins 25% sur votre première commande. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et sachez que, comme je l'ai dit, je ne suis pas en partenariat avec eux. Et tout le monde peut avoir un code promo en fait sur MyProtein. Tout le monde en a un dans son compte. C'est le système en fait de parrainage. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager votre code avec votre famille ou tout ça. Et bah moi je vous fais partager le mien. Et sinon en fait j'attends un colis aujourd'hui. Je comprends pas trop, enfin on m'avait dit à la base qu'il était à l'Intermarché machin. Je suis allée voir, il y avait aucun colis à mon nom. Donc elle a dit qu'elle en avait renvoyé un. Donc on m'a dit que c'était, si ça arrivait pas samedi, ça devait arriver lundi. Donc j'espère, parce que c'est un truc pour la fête des mères. Et le problème c'est que ma vidéo pour la fête des mères devait sortir aujourd'hui. Jeudi j'ai déjà une autre vidéo. Et même bah jeudi c'est un peu tard de s'y prendre que jeudi pour dimanche. Puisque si vous voulez commander des choses sur internet ou tout ça, vous allez pas forcément recevoir. Donc j'espère vraiment que ça va arriver avant, parce que c'est des trucs que j'aimerais bien montrer du coup dans cette vidéo. Donc du coup je voulais filmer ce matin, mais comme je suis pas sûre que ça arrive, je vais peut-être du coup filmer cet après-midi. Mais ça risque d'être au dernier moment, donc c'est un peu la misère, voyez-vous. Et mes cheveux, je les ai lavés avant-hier et ils commencent déjà à être sales. Je vous jure que je n'en peux plus. Bon, la semaine prochaine et pendant 5 semaines je suis en stage, donc je pense que je vais m'attacher les cheveux et essayer de pas les laver de la semaine, sauf si je dois tourner une vidéo ou que je dois faire un truc spécial. Mais vraiment pour essayer de réguler tout ça, parce que j'en peux plus quoi. J'utilise n'importe quel shampoing, c'est... Voilà, puis hier, j'ai rangé plein de cartons en fait, peut-être que vous avez vu sur mes snaps. Donc j'avais bah, plein de produits neufs, des autres trucs à ranger qui sont là, faut que je range. Et j'ai retrouvé ce shampoing que j'avais acheté, et la marque Clorane, franchement j'adore. À un moment donné en fait j'avais un, je sais plus comment ça s'appelle, dans les cheveux en gros, ça me faisait comme des pellicules et ça me démangeait, c'était pas du tout des poux tout ça. Et j'avais pris celui à la pivoine qui est pour les crâne sensible, irrité, tout ça. Génial. Et du coup, je m'étais acheté celui à la pulpe de cédra. C'est pour usage fréquent, cheveux normaux, regrets sans vide. Donc, c'est pas juste pour cheveux gras, c'est pour usage fréquent. Tout ça. Et je pense qu'il a l'air pas mal. Parce que sinon, il y a celui à l'ortie pour cheveux gras. Mais comme on m'a dit, pas non plus trop les agresser avec trop de shampoing. Vraiment cheveux gras, tout ça. C'est comme les shampoings anti-pelliculaires. Jamais vu vraiment de grande différence. Et donc, voilà, j'ai pas mal de shampoings en cours. Stop. Petite partie en voix off parce que je sais pas pourquoi, il me manque un plan de vidéo où j'étais dans ma voiture et où je me rendais compte que le cours que je pensais, enfin c'est pas vraiment un cours, c'était un petit truc d'une demi-heure pour recevoir mes trucs pour le stage, tout ce qu'il faut, les consignes de stage, etc. Je pensais que c'était de midi à midi 30 et une fois arrivée là-bas, j'envoie un message à mes copines en disant vous êtes où, et elles me disent que c'est à 13h, j'avais pas fait gaffe sur l'emploi du temps. Donc du coup, une copine n'était pas loin, elle m'a demandé où on voulait manger et je vous laisse avec la suite pour savoir tout ça. Et oui, Emma, le boulet de retour. Bon, du coup, je viens de rentrer. Alors à midi, on avait le choix entre KFC, Quick, Subway, McDo ou Mezzo. Du coup, j'ai dit on va au Mezzo parce que bah, c'est un peu moins gras, on va dire. Enfin bon, quasiment toutes les sauces là-bas sont un peu à base de crème, donc voilà. Mais du coup, j'ai pris des pâtes au saumon. Voilà, voilà, pas de dessert. Et puis un petit ici. Ensuite on est allé en cours, voilà, pas en cours, non pas en cours, récupérer mon rapport de stage ou ça, pas vraiment un cours, oulala mes cheveux. Et puis voilà, me voilà de retour à la maison, j'espère que le colis que j'attends va arriver dans l'après-midi, sachant que c'est censé être ma vidéo 17h et que le courrier peut arriver vers 15h30, voilà. Comment vous dire que ça va être un peu le speed, donc peut-être que ma vidéo sera mise en ligne plus tard ou j'en sais rien. Ou je sais pas si exemple le colis vient pas, si je tourne la vidéo et que la mets en ligne demain, j'en sais rien, enfin bref. Je vous avoue que je suis un peu perdue et que j'ai pas de vidéo prévue autrement parce que faut que ce soit celle-ci, voilà. J'ai dit sur Snapchat que j'allais la faire, vous m'avez aidé à trouver des trucs. Enfin bref, je vais pas en dire plus, enfin quoi, quand vous verrez ce vlog, il sera sûrement déjà en ligne. Donc du coup, voilà, c'est un peu chiant, là je pense que je vais aller me poser au soleil, je vais me changer parce que là je suis en jean noir. Veste en jean qui est d'ailleurs un peu serrée, on n'est pas très à l'aise dedans, mais je crois que j'en ai commandé une autre sur Bershka, je sais plus.
Donc voilà, je vais me remettre en maillot de bain et je vais me mettre à réviser et poser dehors et tout ça, tout ça. Bon, oui, je suis en maillot de bain, j'étais dehors en train de relire mes fiches, mais il y a quand même du vent. Et genre, tout à l'heure, mes fiches, elles se sont envolées, donc là, je les... Là, c'est mon truc de fruits, en fait, ils sont congelés, du coup, j'ai mis là, comme ça décongèle tranquillement. Voilà. Parce que tout à l'heure, genre, mes fiches, elles se sont envolées tout là-bas. Heureusement qu'il y a le grillage, elles étaient toutes plaquées contre le grillage. Et on dirait presque qu'il y en a une qui est encore bloquée, je sais pas si vous allez voir. Là, mais en fait, non, c'est un truc qui est du côté de chez les voisins, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée, j'ai un problème avec mon fraisier. Genre, est-ce que vous voyez la tête de mes fraises? Pourtant, je les arrose et tout, genre, il y en a des toutes petites. Mais là, elles sont, je sais pas, elles sont trop bizarres. Et donc là, je suis rentrée d'une minute parce qu'il est bientôt 16h et que j'avais pas fait la miniature de mon vlog qui doit être en ligne à 16h. Donc, je me suis occupée de ça. Je me suis attachée les cheveux vite fait, genre en bas avec un élastique qui est censé ne pas faire de traces. Que voilà, juste une attache les cheveux, en plus avec le vent, c'est chiant, sinon ils volent de partout. Donc voilà. Ensuite, j'espère que mon colis va arriver parce que là. Voilà, en plus c'est déjà 15h30, aucune nouvelle. Bon bah, je suis allée voir la boîte aux lettres, absolument rien. Donc voilà, et il est déjà 16h22 donc... Bon, et vous aviez été plusieurs à me demander d'essayer les lunettes que vous avez montrées, lumière bleue, mais je trouve que ça fait extrêmement bizarre sur moi en fait. Elles ressemblent vraiment beaucoup à celles que j'ai en solaire en fait, mais je pense qu'elles sont un peu plus rondes. Et par rapport au solaire, je trouve quand même que les solaires me vont un peu mieux. Voilà, par contre là j'ai l'impression qu'elles sont de travers. Parce qu'il y a une branche qui est un peu... Oh. Ah non, c'est le truc du nez je crois. Bref, du coup il y a toujours moins 20% sur le site avec le code EMMA20. Voilà, mais mes préférées lunettes, c'est deux autres paires. Mais il y en a une que mon copain a mis ce week-end, je sais pas ce qu'il en a fait. Et sinon l'autre paire que vraiment j'adore, c'est celle-ci. En plus elle a les verres un peu rosés. Je sais pas si vous allez bien voir parce que du coup il y a tout qui reflète dedans. Et les autres, bah je sais pas où elles sont. Bon, d'habitude les boissons on leur donne toujours à manger midi. Quand j'étais pas là ce midi, des fois mon copain il pense. Et là, oups, c'est ça que j'ai mis le truc. Il a pas pensé, du coup je vais leur donner maintenant. En plus ils ont pas mangé hier parce qu'on leur donne pas manger le dimanche. Voilà, on a choisi ce jour là. Donc ça y est, là ils sont tous fous en train de manger. Bon, et pour le colis que j'attendais, apparemment il est un point relais, donc à l'Intermarché, donc je vais aller voir ça demain matin en espérant qu'il y soit, comme ça je mettrai la vidéo demain après-midi. Croisez les doigts pour qu'il y soit vraiment, en fait ils ont envoyé deux colis, donc je crois pas trop ce qui s'est passé avec le premier colis. On m'avait dit qu'il était à ce même relais colis, et quand j'y suis allée que j'ai demandé, je vous avais dit il n'y avait pas mon colis, donc j'ai demandé si c'était possible d'avoir le numéro de suivi pour avoir une preuve qu'il soit bien là-bas, et si jamais j'ai une preuve qu'il est bien là-bas, je leur demanderai en leur disant que bah, regardez le message, le colis est ici quoi. Enfin, voilà, donc là j'attends 18h pour aller me doucher. Dab, pour la vidéo de Mila Bibichou. Et oui, je m'étais fait une natte, sauf qu'en fait il y a des cheveux qui sont plus courts, donc ils sortent de la natte, voilà. Et je me suis pas maquillée le visage, j'ai mis une crème solaire, pour ça que je vous en parle dans une vidéo. Mais ça va en fait, je pensais qu'elle allait me faire briller la face, mais pas du tout. Elle est hyper pratique, faut vraiment que je vous en parle. Mais on dirait presque que je suis maquillée, en fait non ça va. Je me démaquillerai dans la douche, je préfère faire ça et genre avec de l'huile que de me démaquiller avec des cotons et tout ça. Franchement me démaquiller je crois que c'est le truc que je déteste. Je déteste par contre en me maquiller, je dors jamais maquillée, mais je déteste me démaquiller les cils. Du coup je songe faire une extension de cils, mais je crois que faut pas trop genre se frotter les yeux tout ça. Donc je me demandais par exemple avec la piscine, si jamais il y en a qui ont fait des extensions de cils, je suis désolée, je suis en train de jouer avec un maître parce que j'ai pris mes mensurations, voilà. voilà, on s'en fout. S'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à me dire si du coup, par exemple, avec la piscine, si ça fait quelque chose. En plus, je sais que, par exemple, je vais sous l'eau, je vais ressortir, je vais m'essuyer un coup d'œil parce que j'ai de l'eau dans les yeux. Donc si ça fait quelque chose ou pas, parce que ça pourrait être cool. En plus, pour l'été, ne plus se mettre de mascara, c'est cool. En plus, tu vas à la piscine, t'as pas ton mascara qui coule, tout ça. Donc voilà. Oh, j'avais zappé. En fait, j'ai peut-être pas regardé, je sais pas combien de temps ça dure. Il y a, comment ça s'appelle, les reines du shopping, et il y a la youtubeuse Cindy Shti, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle a fait une vidéo avec Mila Bibichou, celle qui lui avait fait sa teinture, et elle est dans les reines du shopping et elle passe aujourd'hui, donc lundi, dans l'épisode 2, lundi 22 mai. Voilà. Je sais pas combien de temps ça dure les reines du shopping, mais en tout cas je m'étais mis, en fait mon portable vient sonner, je m'étais mis à rêver parce que j'avais bien envie de voir. En plus le thème c'est, je sais plus c'est quoi, si c'est classe ou sexy ou je sais plus c'est quoi le premier mot, tout en dévoilant sa lingerie, voilà c'est ça le thème. Donc j'ai trop hâte de voir. Ah mais ça commence à 17h25 donc j'ai loupé déjà un petit peu, super. Donc c'est, on la voit pas, elle, c'est elle Cindy.
Bon, ça y est, c'est fini les reines du shopping. Alors, la voix agaçante de Aurore et la méchanceté de Laure, on va passer, hein. Du coup, quelle heure il est? Il va être... il est 18h30. Du coup, là, je vais aller me doucher. Je sais pas trop si je vais vous refilmer après. Je crois que je vais quand même pas me doucher pendant une demi-heure, hein. Il va falloir que j'attache autrement mes cheveux parce que sinon, ça va être trempé, quoi. Quoique, au pire, je peux laisser comme ça, ça sera un petit peu bouclété. Bref, donc comme j'ai dit, direction la douche. Bon, il est presque 19h, je suis douchée. Aïe. Et là, je vais mettre de la crème sur tout le corps parce que quand même, vu que je suis allée dehors, tout ça. Voilà, puis de toute façon, je mets de la crème très souvent après m'être douchée. Et j'ai la trace du maillot de bain, mais un peu du haut, mais ça va, j'ai pas vraiment la trace de la bretelle. Enfin, on voit très légèrement. Je pense que, je sais pas si vous voyez ici. Enfin, en tout cas, moi, je le vois, mais c'est très léger, hein, là, comme ça. Et du haut quoi, et surtout de la queue de maillot de bain, mais rien derrière, hein. Je suis pas restée assez longtemps sur le ventre puisque les deux transats que j'ai, tu peux pas vraiment te mettre sur le ventre, et pour me mettre sur le ventre, hop, coup, on me voit. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en culotte, je suis en short. Oui, je disais, pour me mettre sur le ventre, en gros je mets genre une serviette et puis je me mets sur l'herbe. Et comme il y a plein d'herbes, c'est assez confortable. Et là, je partais à la recherche d'un beurre corporel puisque j'ai du lait pour le corps. Mais les beurres corporels, on est d'accord, c'est quand même beaucoup plus hydratant. Là j'ai des habits qui traînent, voilà, parce que je laisse traîner mes habits dans la salle de bain. Et oh, je savais plus qu'il était rangé là. Oh, il y a une crème pour le corps, pour le visage aussi. Je pense que je vais mettre celui-ci de Hello Body. Je l'ai reçu il y a très très longtemps, hein. Là je vous montre pas parce que je dois vous le montrer, c'est pas un placement de produit, j'ai pas trop de promo, rien du tout. Voilà, c'est juste que je l'aime bien. Et je pense que je vais vous laisser pour ce vlog parce que du coup je vais me mettre sûrement devant une vidéo pendant que je me mets ma petite crème. Et puis après mon copain va arriver, il faudrait aussi que je monte ce vlog, que je pourrais le faire demain. Donc voilà, pas grand chose aujourd'hui, j'ai profité du soleil surtout. Donc voilà, ah c'est chasseur d'appart, bah parfait, je crois que je vais regarder ça. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.